Alors mes petites habitudes, ça va être d'essayer de me concentrer, d'essayer de rester calme, etc. On est très nombreux sur des petits parcours. Moi, ça va être un petit peu ma découverte sur le Figaro là-dessus. Oui, il va falloir être vigilant et essayer de pas se rentrer dedans. Je pense que ça, c'est pas toujours simple. Mais non, ça va, on y va pour naviguer, donc c'est au top. Là, je pars sur l'eau comme si je partais à l'entraînement. La météo y est pour beaucoup, c'est vraiment une super météo, super cool. Écoute, je sors du Ski West France que j'ai fait en J80 avec 60 bateaux. Donc je me suis bien entraîné au départ avec beaucoup de bateaux. Après, là, on est en solitaire. Je sais pas comment ça va se passer, j'en ai pas fait beaucoup des départs en Figaro, donc là c'est un peu l'inconnu, c'est pour ça que je me mets pas la pression pour rien, on verra. À l'aise aujourd'hui, pas trop encore, ça va être la première que je fais avec ce bateau là. Il est plus que prêt là je pense, et non, va falloir être prudent et tout, effectivement 40 bateaux, pour l'instant j'ai pas couru de course avec ce nombre là. Sur des petits côtiers, donc ça veut dire qu'il y aura du monde au bouée forcément, et non, ça promet d'être bien intense je pense. Quand on est à côté des Eliès, des Bayou, des Lundven, etc., on se dit bon ben voilà, faut faire plus que parfait, faut être au-dessus de son niveau habituel, et ça je me suis un peu interdit, j'ai dit voilà, sur les manœuvres, fait simple, sur les placements, fait simple, sur la stratégie, fait simple, et puis ça a payé, fait ce que je sais faire. Il y aura des journées compliquées entre demain et le parcours côtier, le long parcours. Donc voilà, continuer à prendre autant de plaisir que ce que j'ai pris aujourd'hui, à naviguer simplement. La vitesse est là, donc il n'y a pas de raison que je navigue mal les jours prochains. Et non, ça reste une bonne journée, sous le soleil, avec des conditions pas faciles où il y avait moyen de prendre des bâches. Et j'ai pas pris de bâche, donc c'est pas mal. J'ai fait des départs un peu moyens, mais assez vite j'arrivais à me mettre à l'endroit au niveau du vent qui était très irrégulier en force et en direction, et du coup ça faisait tout de suite des gros écarts. Donc, moi, autour de moi, ça s'est plutôt bien passé, autour de Generali, mais j'ai cru voir, ou surtout entendre, beaucoup gueuler de temps en temps, donc je pense qu'il y a eu quelques passages de boue où c'était super chaud.